Bonjour à toutes et tous, and those will be my only words in French. I'm going to continue with the presentation in English. I will pause periodically for the very expert traduction or translation of Annick, who is sitting here with us today. And I would like to... Bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, nous allons donc intervenir, il y aura de la consécutive. Je voudrais d'abord commencer par remercier Jacques et Georges et Lorella de m'avoir invité ici. Vous savez que ce projet maintenant est dans son étape finale. Ce projet a commencé depuis un an déjà, en octobre à New York, en mars à Paris et maintenant en Guadeloupe. Okay, and so... On the topic, Jacques had asked me to speak about the subject, the core subject. Bien, Jacques m'a donc demandé d'intervenir sur le sujet de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'Université de Columbia en 2013. Et donc, au lieu de vous donner le long titre de ma thèse de doctorat, j'ai donc synthétisé le tout comme l'idée de l'or et plus la genèse du modèle des expositions sur le modèle noir. And the idea of a black presence, when I speak about Laura of Olympia and more, the more that I'm referring to is the... L'idée donc d'étudier Laura dans la peinture du 16e, du 18e, pardon, et du 19e en France, m'est venue parce que je me disais que quand même le portrait des personnes noires, des noirs, de la population noire, des modèles noirs, était quand même pas exploré, alors que ces modèles qui avaient servi à ces artistes avaient nécessairement une interaction avec l'artiste qui les avait peints, et que cela figurait dans l'art moderne depuis 1816 à Paris. Et il faut dire que l'idée de noir était véritablement un morphus, puisque en fait l'état civil français et les recensements ne prennent pas en compte l'item race. Il a donc fallu faire une recherche à partir d'Olympia et de ce qu'on considérait comme le modèle noir. As I researched these images, donc, lorsque j'ai commencé la recherche sur l'image, je me suis aperçue que l'image des Noirs n'était pas quelque chose de figé, mais bien un patrimoine vivant qui se transmettait depuis l'école de Paris dans les premiers temps jusqu'à la Renaissance de Harlem et traversait encore l'art contemporain. Et donc, il y a des variations, des changements dans la figure du noir qui ont une importance et qui sont véritablement imbriqués dans tout ce développement artistique de l'art français au travers de tous ces temps. As a context for this analysis, it is important to note that Olympia... Pour en venir au contexte, donc Olympia, que nous montrons ici, en fait, n'est que la dernière des trois portraits que Manet a fait en un an dans son studio. Et ce modèle, il la décrivait comme l'or. He described her as une très belle négresse. Il la décrivait comme une très belle négresse. I was struck by... Et donc, j'ai été frappée parce que ça a été 15 ans après l'abolition finale de l'esclavage français. My interest has been to consider... Et donc, mon intérêt était de savoir que ce personnage qu'on représentait comme une nourrice, en fait, en quoi il représentait véritablement une réalité dans le temps de Manet. Le personnage, la peinture de la nourrice noire, en fait, jusqu'à depuis ce qui apparaît donc dans les galeries des Tuileries sur la gauche au départ, jusqu'à celle qui est à droite et qui est ici dans cette exposition, en fait, nous montre l'approche révisée
de m'amener sur ce sujet très vaste, en fait, et à des répercussions diverses et variées. Fayen, the artist on the right here, far more. The Fayen sur la gauche montre plus l'aspect pictoresque de ce genre. Donc, si Feuillet, c'est sur la gauche, Manet, par contre, son type de nourrice est plus une typologie. Les peintures des nurses ou des mabots sont vraiment celles qui les montrent en train de prendre soin des enfants dont elles avaient la charge. It is Feuillet who adds the element of charm. Et c'est Feuillet, lui, qui ajoute la dimension de charme, et ceci est bien rendu sur le portrait de la droite. Et le format aussi présenté par Feuillet est intéressant, puisque jusque-là, au cours du 19e siècle, les nannies, les nourrices noires comme blanches, étaient représentées essentiellement différemment. Et les noirs étaient représentés uniquement comme servantes. Mais ici, on voit à la fois une nourrice blanche avec une autre nourrice noire. Donc, c'était déjà un petit peu une révolution de montrer donc, une forme d'égalité sociale qui existait donc, dans ces travaux qui étaient proposés aux blancs comme aux noirs. Et donc, lorsque j'ai fouillé les archives représentatives des œuvres de Feuillet en 2011, et je regardais et je me suis aperçue en fait que ces deux tableaux avaient été en fait présentés dans les salons du Paris d'alors, où avait été donc montré l'Olympia de Manet. Dans le deuxième portrait par Manet de Laura, en fait, on voit qu'il y a une touche supplémentaire qui a été portée, puisque les traits sont plus ronds, plus mieux façonnés, et il y a cette touche de sourire qui apparaît dans le deuxième portrait, qui n'y avait pas, et qui rapproche donc ce portrait de l'école moderniste et des impressionnistes en particulier. Et donc, si véritablement le modèle que Feuillet avait peint est une noire, on peut effectivement, lorsqu'on regarde le rendu par Manet, se rendre compte, en tout cas comprendre pourquoi Manet la décrivait comme étant la belle. Et on peut aussi déduire les implications que cela avait par rapport à ce qu'il peignait. When recounting Manet's description of Laure, lorsqu'on regarde donc la description de Manet de Laura, où il la décrit comme une très belle négresse, et il donne en fait la rue. Et le jeune archiviste qui avait fouillé en fait les raisons d'être s'est demandé si ce n'était pas Baudelaire qui avait donné cette adresse spécifique à Manet. En fait, les visites de Manet au studio de Baudelaire, son bon ami, se faisaient donc souvent avec la jeune actrice d'origine haïtienne métisse, Jeanne Duval, qui avait été pendant plus de 20 ans la maîtresse de Baudelaire. Manet painted a monumental portrait of Duval during the same year as his three portrayals of Laure. Baudelaire himself made a sketch. Baudelaire avait commandé une peinture monumentale de Jeanne Duval en même temps que les trois portraits de Laura. C'est ce qu'on a sur la droite. Baudelaire, en fait, à l'époque où les tableaux ont été peints, avait lui-même commandé cette peinture de Jeanne Duval en demandant à ce qu'elle figure dans cette position volontairement prééminente par rapport à Laura qui, elle, était montrée dans une position de servante, en fait. À l'époque, il faut dire que ça faisait déjà une relation qui durait depuis plus de 2 décennies entre Baudelaire et Jeanne Duval, que cette relation durait et que l'époque où la peinture avait été commandée. Même si, dans ces 20 ans de relation entre Baudelaire et Jeanne Duval, il y avait de turbulentes secousses entre séparations fracassantes, reprises de relations, etc. Il était cagoumé, quoi. Baudelaire's seminal 1850s poetry volume,
see, hold on. Tous les portraits, en fait, et toutes les œuvres commandées par Baudelaire depuis 1815, en fait, n'attiraient pas nécessairement la faveur de tout le monde, en particulier les parents de Baudelaire et sa mère n'appréciaient pas du tout cette relation tumultueuse, bien que Jeanne Duval était décrite comme la Vénus noire, et donc la relation n'était pas nécessairement approuvée. Et par contre, donc, autant il y a cette position altière commandée par Baudelaire, de l'autre côté, en bas, donc, Manet, lui, la montre plus dans une position assise, avec les jambes étendues devant dans le sofa, qui est très proche de ce que la manière dont il décrivait et peignait sa propre épouse. Just a note about the region of the part of Paris where voici donc ici des cartes qui montrent bien la zone de Paris où Manet, l'artiste, Baudelaire, le studio avaient donc leur interaction. C'est essentiellement au nord de Paris, la zone de la place de Clichy et des Batignolles. Et donc, lorsqu'en 2011, j'ai fait mes recherches et je me suis longuement promenée dans tout ce quartier de Clichy-Batignolles, je me suis aperçue que non seulement c'était le lieu, et c'est la zone qui est en rouge, c'était le lieu où il y avait donc le studio de l'artiste Manet, mais c'était aussi là où étaient les premiers Noirs, les Noirs libres, hein, qui habitaient dans Paris, y compris donc Alexandre Dumas, Jeanne Duval et Laura. This black presence in la présence des Noirs donc dans ce quartier nord de Paris was rarely discussed in the histories of Paris. C'était très rare qu'on en parle, en particulier que les historiens en parlent, mais par contre les photographes ont gardé des traces de cette présence des Noirs. Donc, bien sûr, ce que Manet et Baudelaire avaient fait étaient des icônes, hein, bien connues, mais il y a aussi eu beaucoup de photographes qui ont photographié beaucoup de Noirs anonymes, des Parisiennes Noirs de l'époque. Alors ici, donc, on voit divers portraits des anonymes comme des fameux Noirs de l'époque, y compris donc l'épouse du maire d'un comté d'Angleterre à l'époque. C'est pour cela qu'il m'a semblé fondamental de bien comprendre cette histoire du Paris du 18e et la présence des Noirs. Et donc, il m'a semblé, dans ce cas, fondamental de consulter non seulement les archives historiques par les peintures, mais aussi tout ce qui existait comme photos. Et je vous ai montré ici un exemple d'une photographie, photographie donc qui était le segment nouveau de ma recherche, en vous montrant une photo par Nadar qui figure au musée d'Orsay, qui était là depuis 150 ans et qu'on appelait simplement Maria l'Antillaise. Pour cette exposition, le commissaire d'expo de Orsay a fait pour la première fois des recherches sur l'identité véritable de cette femme qu'on appelait Maria l'Antillaise. Et donc, pour la première fois, il a pu être établi après recherche à la Bibliothèque nationale, en particulier que cette Maria était en fait une afro-cubaine, chanteuse de son état très connue, Maria Martinez. Je crois que le même type de recherche serait nécessaire pour quasiment chacune des photos qu'on a dans cette exposition. Une photographie très connue, en fait, en tout cas, un modèle de photographe très recherché était Alexandre Dumas père, celui qui a écrit donc Les Trois Mousquetaires. Et donc, le lieu d'habitation des parents de Dumas était aux alentours de la place Suchot, aux alentours de la place Clichy, lieu qui était fréquenté par une certaine petite bourgeoisie et bourgeoisie nantie qui vivait derrière des barrières de protection. Yes. Dumas, bien sûr, a été photographié par les mêmes personnes qui ont été utilisées et vues par Baudelaire et les autres. Mais un autre photographe qui a fait des photos de Dumas a été Gouin,
qui, en fait, à ses photos, recevait des commentaires faits par Dumas lui-même, où il se décrivait comme homme de couleur et où il se targuait de son héritage haïtien par sa mère. Dumas' son, Alexandre Dumas. Et donc, les photos de Dumas' fils, en fait, l'écrivain et dramaturge, ont aussi reflété la même pose de dignité, en fait, aussi digne que ce que faisait Nadar pour les photos de Gaspard Félix Tournachon, qu'on connaissait, donc, qui habitait à côté de Cochina. Les photos, en fait, permettent de donner des détails plus précis sur Laura et ce qui existait dans le Paris moderne de l'époque, des détails qui rappellent presque la touche des impressionnistes, en particulier aussi les détails pour ce qu'elle portait sur la tête, ce qu'elle portait comme bijoux, ce qu'elle portait aussi comme vêtements avec le port de la dentelle et les épaules découvertes, qui sont plus du Second Empire. Et donc ici, en fait, la manière dont elle est revêtue peut faire penser qu'elle n'était pas simplement Nanny, mais que probablement qu'elle travaillait aussi peut-être dans un café comme serveuse. Et ici, je peux vous montrer que cette présence, en fait, des Noirs à Paris à l'époque était une présence internationale. Et sur le premier cliché, je veux attirer votre attention sur une jeune femme photographiée par Poteau, qui avait une mère d'origine de la Nouvelle-Orléans, et aussi de l'autre côté, une femme britannique noire qui avait été adoptée par la reine Victoria, qui avait payé son éducation, sa scolarisation, et qui était aussi présente à son mariage. Et donc, c'est dans ce cadre très vaste que je viens de brosser des conditions vis-à-vis des Noirs et de Paris à l'époque, que je voudrais maintenant insister pendant quelques temps sur le sujet de mon intervention ce matin, la peinture de cette femme de couleur, Olympia, par Manet. Et donc, c'est dans ce contexte que je veux donc examiner maintenant les portraits de Manet par rapport à ceux de Delacroix, au vu de démontrer comment le choix pictural de Manet était absolument radical dans son approche, puisqu'il s'éloigne de la typification exotique telle qu'on peut la trouver dans l'approche orientaliste de l'époque à Paris, comme on a sur la gauche, pour en fait montrer cette femme noire plus dans le cadre de tout ce qui pouvait exister par la suite de manière normale dans la vie moderne à Paris, dans le quotidien de cette vie moderne. Et ce qu'il y a de radicalement moderne dans l'approche de Manet, c'est qu'en fait, il a refusé, il s'opposait totalement aux stéréotypes de représentation exotique, de contrées plus ou moins éloignées, où on voyait donc c'est l'orientalisme, hein, ces personnages placés loin de nous, pour le placer radicalement dans le Paris absolument moderne, de quotidien tel que les gens le vivaient. And just a look. A second refusal of stereotyping was the fact that ce qui avait aussi comme marqueur radical du refus des stéréotypes, c'était le vêtement, puisque le vêtement refusait justement de montrer ce demi ou ce sein totalement dénudé tel qu'on le montrait auparavant pour montrer cette femme habillée comme on le faisait à l'époque sur d'autres peintures. Et ici encore, je voudrais insister sur l'aspect de l'héritage laissé par Manet avec sa peinture de Olympia, en fait, sur un ou deux clichés, en particulier celui-ci où il est peint, en fait, cette femme au bouquet, où cette femme est peinte radicalement dans la vie moderne, dans le style de vêtements qui existait à l'époque, et elle est montrée comme un personnage radicalement libre, libre autant que s'il n'était pas de couleur, ce qui entre en contraste flagrant avec l'approche un peu plus orientaliste qu'on a de l'autre côté, où il y a
toujours cette touche qui rappelle que figure noire liée à esclavage. Et donc, pour conclure, je vais donc revenir en deux ou trois slides sur l'héritage de cette description, cette approche moderniste pour montrer, en fait, comment est-ce qu'on est passé au contemporain avec cet héritage qui refuse l'orientalisme. So here we have photographs, one of three dozen in existence, by the School of Paris artist Henri Matisse, showing his studio sessions with the Haitian dancer Carmen Lyons, who posed for a series of illustrations that Matisse made for a new edition of Baudelaire's Les Fleurs du Mal. Pour Carmen, donc, alors ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que en fait, c'était par rapport à la seconde set de l'illustration des fleurs du mal de Baudelaire. Et donc ici, un autre exemple avec la danseuse très connue de l'époque, dans les années 20-30, la Guadeloupéenne Adrienne Fidelin, qui était donc la muse et l'amie, la compagne de Man Ray, le photographe surréaliste. Et donc Fidelin a posé pour quasiment plus de 200 clichés de Man Ray, mais aussi, et donc elle a été le modèle privilégié, sa muse, hein, mais elle a été aussi utilisée en peinture par Picasso en particulier. L'étude de la peinture ou de la présentation de ces femmes, de Manet, Matisse à Man Ray, jusqu'au XXe siècle, est aussi une des composantes de cette exposition qui est montrée ici. Et donc, pour maintenant toucher l'aspect plus mondial, planétaire, contemporain, de l'art contemporain, j'ai été frappée, voire j'ai été vraiment estébécouée, de voir la manière dont les artistes contemporains sont radicalement engagés dans l'approche adoptée par Manet, Matisse et les autres, et en particulier l'approche qui a été commencée par la peinture de l'aura. Ici, par exemple, quelques exemples, on va commencer par Jean-Pierre Schneider, un artiste contemporain français, qui travaille donc dans l'art abstrait, en tout cas dans le style art abstrait, où donc il adopte cette attitude radicale de renverser les codes, où ce qui n'était pas vu est vu, et ce qui était marginalisé est ramené au centre, en particulier la figure de la servante, qui était toujours marginalisée, ici, et celle qui est en premier plan. Deuxième projet d'Elisabeth Colomba, ici, une artiste contemporaine qui commence à être de plus en plus connue et qui vient de la Martinique à l'origine. Ce qu'il tire en fait de la présentation radicale de l'aura au 19e, c'est en fait de montrer ce que les peintures n'auraient pas pu montrer à l'époque, à savoir le rôle en fait de ce personnage, non seulement dans ce qui est montré par les peintures de Manet et autres, mais aussi dans la propre vie. Et elle choisit de montrer que cette femme a une vie qui est la sienne. Et ici, on la montre en train de déambuler dans les rues de Paris pour se rendre au studio donc, de Manet. Et donc, en fait, ce qui ressort donc, des artistes contemporains, c'est ce choix qu'ils ont d'avoir le regard et donc transmettre aussi une œuvre où transparaît l'admiration. Et en montrant, en fait, cette femme qui déambule dans les rues et en imaginant ce qu'a pu être sa vie personnelle, ça colle avec ce que Manet a fait en disant une très belle négresse. Et donc, maintenant, bien sûr, dans le cadre contemporain actuel, on dirait tout de suite que, mais oui, mais le terme négresse est un terme qui a des connotations négatives. Donc, il faut bien le ramener, en fait, à l'histoire, hein,
et ce qui se disait à l'époque. Et c'est pour ça qu'elle a dit que, donc, Elisabeth Colomba, qu'elle a choisi le terme anglophone de négresse, comme nous on dit négresse, pas le français négresse qui est un terme péjoratif avec un E à la fin, mais négresse, N-E-G-R-E-2-S, et on s'arrête là. Parce que ça, dit comme ça, perd en fait le caractère péjoratif qu'il y a dans le terme français, qui est associé à sale. Et donc, pour conclure rapidement mon propos, je voudrais insister sur le nombre extraordinaire, la pléthore d'artistes contemporains qui expriment leur admiration à partir donc cette œuvre de Manet, de Laura, et comment cela les a influencés et a aussi influencé de plus en plus les critiques de l'art moderne qui ont choisi d'avoir cet œil admiratif sur ces peintures. Thank you.